Jean-Louis Hurlet, bonjour. Bonjour. Alors, ambiance un peu morose en ce début 2012, mais comment est le moral des commerçants et industriels alsaciens ? Alors, 2012 est annoncé comme une année difficile. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Alsace souhaite néanmoins à l'ensemble des 60 000 entreprises de la région et aux quelques centaines de milliers de collaborateurs une année qui ne soit pas trop empreinte de problèmes. Nous souhaitons que les bonnes nouvelles que nous avons connues au niveau des investissements industriels au cours des dernières semaines de l'année 2011 puissent être traduites dans les faits et que globalement une région aussi industrialisée que l'Alsace, aussi fortement exportatrice, puisse s'en sortir peut-être mieux que d'autres dans une année qui s'annonce effectivement difficile. Alors réindustrialisation, vous employez le mot aussi, comme tous les candidats au futur présidentiel, le socle industriel traditionnel de l'Alsace que vous venez de relever, est-il un atout ou un handicap ? Ah non, c'est fortement un atout. Il m'est donné de visiter un certain nombre d'entreprises qui, grâce à un apport en technologie, en recherche, en innovation, arrivent à produire à des coûts très compétitifs, et même compétitifs par rapport à des pays où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère, et qu'on assiste aujourd'hui à une véritable relocalisation, un retour en Alsace de production qui était, il y a quelques années, partie dans des pays où l'on pensait que la main-d'œuvre était moins chère, et puis maintenant, avec le coût de l'énergie, avec les transports qui sont plus chers, avec les stocks en flux tendu, avec toute cette problématique de production, nous retrouvons de nouveau en Alsace un certain nombre de productions qui étaient parties ailleurs. Alors 2012, c'est aussi le premier exercice complet pour la nouvelle organisation des CCI. Est-ce que tout est déjà en place pour faire aussi bien, voire même mieux, avec en gros 15% de moyens en moins ? Alors effectivement, c'est aussi le premier anniversaire de l'organisation de la Chambre de commerce et d'industrie de région Alsace. En Alsace, nous sommes allés peut-être un peu plus loin que d'autres régions parce que en parfaite synergie avec les chambres de Colmar, de Mulhouse, de Strasbourg, nous avons transféré à la Chambre de région un certain nombre de missions, aide et appui à l'industrie, bien entendu, toute la problématique de l'innovation, l'export, bien entendu, la formation, l'environnement, le développement durable, l'intelligence économique et bien d'autres secteurs sont donc à présent pilotés par un directeur régional qui a compétence sur l'ensemble des trois chambres pour les missions qui lui sont conférées. Alors vous avez présenté vos vœux en vidéo depuis la passerelle des deux rives. Ce voisin allemand, lui aussi, c'est un danger ou une chance pour l'Alsace ? Alors ça aussi, c'est une chance. Vous savez que 30% des échanges internationaux entre l'Alsace, avec l'Alsace se fait avec l'Allemagne. C'est notre principal client, c'est notre principal fournisseur. Vous connaissez aussi les chiffres dynamiques de l'Allemagne à l'heure actuelle. Donc la proximité et notre présence dans cet espace trirénant avec la Suisse aussi, qu'il ne faut pas oublier, est une chance pour l'Alsace. Alors à condition de saisir cette chance. Et une des conditions, c'est de parler la langue du voisin. Et je suis présent pour pousser l'ensemble de nos jeunes à apprendre l'allemand, et quand ils parleront correctement l'allemand et le français, ils apprendront facilement l'anglais, mais c'est indispensable. La démographie différente en Allemagne et en France fait qu'il y aura des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois dans les prochaines années en Allemagne. Il ne faudrait pas passer à côté uniquement parce qu'on ne connaît pas la langue du voisin. Et c'est un de mes souhaits, un de mes vœux. Un de mes rêves, d'ailleurs, qu'il y ait un maximum de petits Alsaciens qui parlent et qui comprennent la langue du voisin. Jean-Louis Hurlet, merci.